Ce n'est pas vraiment un feu de joie, mais plutôt un feu pour alerter. Alerter les citoyens du malaise que les agriculteurs ressentent face aux campagnes de dénigrement dont ils s'estiment victimes ces dernières semaines. Un mouvement de défiance récent appelé agribashing. Entre l'agribashing, les gens qui rentrent dans les élevages, les intrusions dans les élevages, les agriculteurs ne peuvent plus vivre. Aujourd'hui, on est insulté partout dans les campagnes, on est traité de pollueurs. Et nous, on ne peut plus supporter ça. Dans la Vienne aussi, le comportement de la population a changé. Et cela se traduit parfois par des actes, comme pour ce céréalier il y a quelques jours. J'étais en train de faire un fongicide sur les blés. J'ai vu une voiture s'arrêter. Deux personnes descendent. Donc j'ai descendu par courtoisie dire bonjour, tout ça. Et là, je me suis fait insulter, assassin, pollueur. J'ai essayé de discuter avec ces gens-là. Ils ne voulaient rien entendre. Donc j'ai fait demi-tour, je suis remonté dans mon tracteur. Cette action symbolique marque le début d'une série de manifestations prévues la semaine prochaine avant une grande journée d'action le 8 octobre.